ストライクという研究の成果の一つとして
として2015年に出されて、その延長線上に多分今日のテーマにも出会って、でこの抜粋を1926年の春駒の日記から読まれているんですけれども、やっぱり現代語、日本語バージョンとアリンさんの優れたと、その2人のペアでチームでこの言語化していくこと、私たちにも登録していただく能力もすごくあったんで、そういう意味で今日は世界プレミアです。この一部の作品 の大変嬉しく思っています。Je voudrais vous présenter un petit peu Yuhei Nyambe, qui fait des recherches sur les écrits et l'histoire des femmes au Japon depuis maintenant plus de 20 ans. Il a obtenu un doctorat à l'Université de Kyoto en tant que chercheur en sciences humaines et environnementales en 2013 et a publié des essais sur le genre et le travail, ainsi qu'un livre sur ses recherches personnelles en japonais Yukaku no Stonaiki, les trêves au Yukaku, en 2015. Et aujourd'hui, nous allons vous lire un extrait du journal de Sankoma, qui a été écrit par Sankoma en 1926 et qui a été réécrit en japonais moderne par Yuhei Nyambe. Et donc, c'est grâce à ce travail novateur de Nyambe San, sur cette femme fascinante, et à la traduction française, je suis obligée de traduire en série d'État, qui est toujours très gentil avec moi, qui me fait toujours plein de compliments. Donc, grâce aussi à la traduction française d'Aline Cosa, que nous pouvons écouter aujourd'hui, ce qui est ma première mondiale de cette lettre. Je pense que c'est un moment spécial et important. でやっぱりこういう集まりがとっても重要な意味合い、いろいろあると思うんですけど、長い間続けたコロナの中でかなり孤立されてきた私たちが一緒になって、こういうふうにまだまだ時代の不安がいっぱいあるし、いろいろ心配事がある中で一緒になって、こう横のつながりもあるし、過去に過去にあったこと、過去にあった女性たちの声もつながることもあるし、同時にこのテーマ、今日朗読されるテキストを聞きながら、感じると思うんだけど、終わったものではなくて、今現代にもこういうちょっと厳しい状況に置かれている、女性たちとか労働者たちとか、世界中まだ抱えている問題がたくさんあり、この作品の過去のものだけど今にもつながるし、それが私たちここで終わった後にも少し話し合い時間があると思うので、未来にもつなげる、機会になればとても嬉しく思います。じゃあ、それぐらいで私はまたバトンタッチしますので、aujourd'hui, donc c'est l'occasion pour nous d'écouter les voix des femmes du passé et d'apprendre de leur histoire. Nous sommes toujours dans une période d'incertitude permanente, mais peut-être que leur voix et leur dialogue nous aideront à entamer nous-mêmes un nouveau dialogue avec vous aujourd'hui et aussi avec les personnes, avec les femmes du passé. Et en même temps, on peut qu'il ne s'agit pas seulement ici du passé, il y a toujours beaucoup de femmes, beaucoup de personnes dans le monde qui vivent dans des circonstances extrêmement précaires et incertaines, qui sont obligées d'endurer des conditions de travail injustes, d'être exploitées et de subir des épreuves simplement pour pouvoir survivre. Ce travail nous aide également à mieux percevoir le monde qui nous entoure aujourd'hui et comment nous comporter les uns envers les autres d'une manière plus empathique et respectueuse afin de développer la compréhension nécessaire pour créer un monde plus égalitaire et meilleur. Donc maintenant, comme le temps nous est compté,私一つだけ演劇のことをご紹介いただいたんですけど、私の第2期レベッカさんご自身もご紹介があまりなかったんですけど、
お母さんの方からたくさん本をいただいて、たくさんの方ご紹介いただいて、しっかりとあの調査さんから受け継いでバトンをいただいてます。はい、研究室の本が役に立てよう。私は研究とはまた違うところだったので、とてもよく勉強。嬉しいです。じゃあ、まあ、これからどうぞ、はい、本番に入りますので、30分、40分くらいかかるんですけれど、ぜひ最後の何分か、ちょっと皆さんからのコメントとか質問とか、きっと今日で終わらない気持ちになると思うんですけれども、まあ、この貴重な時間をどうぞ、皆さん、ありがとうございます。ヤンベ・リュウレイと申します。ちょっと風邪ひいているので、喉の感じがあんまり良くないんですが、よろしくお願いします。私の専門は、日本女性史研究というものをしています。日本の女性史の中でも、遊郭という場所の中にいた女の人たちのことについて研究しています。Bonjour, je m'appelle Yuhei Yande et je m'excuse un petit peu d'être un peu enrouée parce que j'ai un petit rhume, mais c'est pas grave. Donc je suis chercheure dans le domaine de l'histoire des femmes au Japon et en particulier l'histoire des femmes qui travaillaient au lieu de Kato, qui était en français on pourrait dire quand même quartier du plaisir, mais c'est pas vraiment du plaisir pour tout le monde. Donc on a choisi de garder ce mot en japonais dans la lecture et dans le texte. ユーカプは女性の女性史研究を始めた頃にですね、ユーカプの外側から見た、研究というのはあったんですが、あとそのユーカプから女性たちを救い出そうという活動をした人たちの研究は多くあったんですが、ユーカプの中にいた人たちがどうだったのかという研究が実はとても少なかった。Quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire des femmes au Japon, quand on parlait du Yukaku, c'était toujours d'un point de vue extérieur. Donc un point de vue des personnes à l'extérieur, ou alors le point de vue des personnes qui essayaient de sauver, d'aider ces femmes qui travaillaient dans le Yukaku. Mais il y avait très peu de documents sur ce que ces femmes elles-mêmes vivaient. というか作品はですね、春駒さん、森光子、本名森光子で遊郭で働いている時の名前が春駒という名前なんですが、その森光子さんが1926年に遊郭から脱出して廃業するんですが、その後に書いた2冊の本のうちの1冊になります。l'œuvre qui va vous être présentée aujourd'hui a été écrite par Mitsuko Mori.Quand elle, son nom dans le Yukaku c'était Halukoma. Elle s'est échappée du Yukaku en 1926 et a écrit deux livres ensuite après. Et c'est l'œuvre que nous allons vous présenter est extraite de l'un de ces livres. 2冊の本、1冊が光明に恵む日というのを出版して、2冊目が Halukoma日記になります。光明に恵む日、今、ここに持ってきていまして、ちょっと皆さんに、お渡しするので、よろしかったら見てください。C'est un très très joli titre, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne traduction en français. Ça parle de lumière et de bourgeons, en tout cas. Et donc l'autre livre qui est son journal, le journal de Halukoma. その本は今、見ていただいているのは、本当に100年前に出版された、100年近く前ですね、1926年に出版された本で、なぜその本が残っているかというと、その光明に恵む日は結構、春駒さんの書いた本の中でも話題、当時、とても話題になった。Le livre qui va passer parmi vous a été publié il y a presque 100 ans, en 1926.
その本が今残っているのは当時とても売れた。はいはい。Et si, si on peut encore le trouver de nos jours, c'est parce qu'il a été très populaire et c'est bien vendu à l'époque.皆さんにご紹介、今日作品を、朗読でご紹介するのは2冊目の「春駒日記」という、おそらく当時もほとんど話題にならなかった、何というか世間の関心が少しその春駒さんからそれ始めた頃に出た本です。Le journal de Harukoma qui a connu beaucoup un succès beaucoup moindre à l'époque. その Harukoma 日記の方から吉原病院について書いたエッセイを紹介します。それでこのエッセイがとても大事だと思うのはですね、おそらくその吉原病院でいろんな人たちと言葉を交わす中で、Harukomaさんが自分の将来について考える、このままではちょっともう体も壊してしまうし将来が厳しい、要するに脱出を決意するきっかけの一つが書かれているのではないかというふうに思うからです。で、l'essai que nous allons vous lire se passe dans l'hôpital de Yoshiwara. Et je pense que cet essai relate l'épisode qui va vraiment déterminer Harukoma à s'échapper, qui va la faire réfléchir sur son avenir et son futur.その当事者、遊郭にいた当事者がどういうものを見て、そしてどういう言葉に残したか、どういう言葉を残したかということを、皆さんにお伝えできればなと思っています。現代語に翻訳というか、少し分かりやすくするために本案という形にしてあるんですが、できる限りその本人の言葉を変えないようにでも分かりやすくという感じでちょっとやってみたので、ぜひちょっと皆さんが、耳で聞いてですね、どういうふうに感じるかという感想をぜひまた聞かせていただきたいと思います。Mais tout en respectant les mots et les expressions de Mitsuko Mori, et j'aimerais bien savoir comment vous aurez entendu comment les mots vont résonner dans vos oreilles. では、よろしく。日本の社会において、女性たちを集めて売春をさせる流儀が最初に形成されたのは、14世紀末から15世紀初めにかけてと言われている。江戸時代には大きな門と堀で囲まれた城郭のような遊郭が東京吉原と京都島原に作られ、そこで働く女性たちは外部から隔離されることになった。近代化の過程で明治政府は1872年に人身売買の禁止を明言する芸商技解放令を出した。しかし、それはあくまでも建前であり、それ以降も女性の自由意志による売春を給品のために許容するという欺瞞的な説明の下で、遊郭は継続した。そこで働く女性たちの多くは、貧しい家庭の出身者であり、借金のため廃業することも難しいという状況に置かれた。Les premiers quartiers qui regroupaient les travailleuses du sexe et qui furent appelés plus tard Yukaku sont apparus dans la société japonaise entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle. La période d'Edo a vu se construire des quartiers de prostitution qui ressemblaient à des châteaux, entourés de grandes portes et de tours. Le Yukaku de Yoshiwara à Tokyo et le Yukaku de Shimabara à Kyoto. Les femmes qui y travaillaient, appelées shogi, étaient de fait isolées du monde extérieur.Dans le cadre du processus de modernisation, le gouvernement Meiji a publié en 1872 une ordonnance relative à l'émancipation des travailleuses du sexe, geisha et shogi, qui énonçait clairement l'interdiction de la traite des personnes. Il ne s'agissait toutefois que d'une déclaration de principe, et les quartiers de prostitution ont continué à exister
sous le prétexte hypocrite que la prostitution de plein gré des femmes était autorisée car elle leur permettait d'échapper à la pauvreté. De nombreuses femmes issues de familles pauvres travaillaient dans ces quartiers et trop endettées se trouvaient dans une situation où il leur était impossible d'arrêter de se prostituer. 今から朗読するこの作品を書いたのは、その遊郭で働いていたパルコマという商人である。父親の病死で困窮する家族を救うため、パルコマは1924年に吉原遊郭の彫金家という技能で働き始めるが、一晩に客を10人近く取るような過酷な環境で体を壊し、入院を余儀なくされ、ついに1926年4月、遊郭から脱走し、労働運動家の支援を受けて廃業した。パルコマは本名を森光子という、その時まだ21歳だった。同時期、日本の社会運動は高まりを見せ、遊郭における商品の待遇改善を求める世論が盛り上がる。その時代の風を受けて、森は2冊の本を出版した。ここで紹介するのは、森が1927年に発表した2冊目のパルコマ日記に収録された吉原病院をめぐるエッセイを現代向けに勘案したものである。L'auteur de cet extrait, qui va maintenant vous être lu à haute voix, est une travailleuse du sexe nommée Halukoma de l'un de ses quartiers. Halukoma avait commencé à travailler dans une des maisons closes de Yoshiwara appelée Chokinka en 1924 afin d'aider sa famille à sortir de la pauvreté après la mort de son père décédé des suites d'une maladie. Contrainte de recevoir près de 10 clients par jour, elle était tombée malade et avait dû être hospitalisée. En avril 1926, elle réussit à s'échapper et à changer de profession grâce au soutien des militants syndicaux locaux. Halukoma, dont le vrai nom est Mitsuko Mori, n'avait alors que 21 ans. À cette époque, les mouvements sociaux se multipliaient au Japon et l'opinion publique réclamait un meilleur traitement des femmes travaillant dans les maisons closes. Portée par ce genre de modernisation, Mitsuko Mori a publié 2 livres. L'extrait présenté ici est une adaptation moderne d'un essai sur l'hôpital de Yoshiwara, tiré du 2e livre de Mitsuko Mori, le journal de Halukoma, publié en 1927。当時、吉原で働く商人は週1回の生検、生病検査が義務付けられており、そこで病気が発見されれば、強制的に吉原病院に送られた。病院では客や老主に対する気遣いからは解放されるものの、働けないので借金が減らないことに加えて、不十分な食事や外出も自由にできないなど、極めてストレスの多い状況に商人たちは置かれていた。このエッセイの中で森が描き出すのは、その過酷な環境を商人たちがどのように言葉を交わし、経験をシェアしながら生き抜いているかという当事者のリアリティである。À cette époque, les femmes qui travaillaient à Yoshiwara étaient tenues de se soumettre à des visites médicales hebdomadaires. Et si une quelconque maladie sexuellement transmissible était détectée, elles étaient envoyées de force à l'hôpital de Yoshiwara. À l'hôpital, elles étaient certes libérées des contraintes des clients et des ordres des propriétaires des maisons closes, mais les conditions étaient extrêmement pénibles, avec notamment une alimentation insuffisante et l'impossibilité de sortir librement. Sans compter que pendant leur hospitalisation, elles étaient dans l'incapacité de travailler et donc de rembourser leurs dettes. Dans cet essai, Mitsuko Mori décrit la vie de tous les jours des shogi, leurs conversations et l'entraide qui les liait et leur permettait de survivre dans cet environnement cruel. 私が吉原病院に入院していた時のことだった。ある日の午後、私はここでの一番の楽園である屋上に上がって物思いにふけっていた。そこへ千住遊郭の千鳥さんが上がってきた。千住遊郭は江戸四宿とも呼ばれた千住宿に開けた遊郭で、大震災での被害も少なかったことから、須崎や吉原からも女性たちが流れて、この頃はちょっとしたにぎわいを見せているらしい。C'était pendant mon séjour à l'hôpital de Yoshiwara. Un après-midi,
J'étais sur la terrasse du toit. J'avais l'habitude de me réfugier, plongée dans mes pensées, quand Chidori, du Yukaku de Senju, m'a rejointe. Le Yukaku de Senju s'était ouvert à Senju du coup, une des quatre villes d'État d'Edo. Il a été relativement épargné par le tremblement de terre et il paraît qu'il est assez animé ces jours-ci, avec l'arrivée des femmes des quartiers de Sudaki et Yoshiwara. Senju Yukaku の人たちは吉原の花魁たちから区別されている。それはなぜかというと、料理屋で卑しいことをするからだと言われているけれど、きっと彼女たちが街道沿いの宿場女郎だから差別するのだろう。吉原と千住とどれだけの差があるんだろう。同じ将棋である。特権意識を持っている吉原の彼女たちに対して反感があった私は、むしろ反抗的に千住の人たちと親しくしていた。Les Ouïlans de Yoshiwara méprisent les filles de Senju, soi-disant parce qu'elles exercent leurs activités dans des tavernes. Mais c'est sans doute plutôt parce qu'elles travaillent dans des auberges des bords de route qu'elles sont l'objet de discrimination. Quelle différence y a-t-il entre Yoshiwara et Senju? Nous exerçons tous le même métier de prostituée. Je n'aimais guère les filles de Yoshiwara qui se pensaient supérieures aux autres.Et un peu par provocation, je fréquentais les filles de Saint-Dieu. Bon, Chidori-san, どうですか？お母さんは。随分ここでお長いようですから苦しいでしょうね。私は Chidori-san、慣れ慣れしく話しかけた。Chidori-san, comment tu te sens? Tu es ici depuis longtemps, non? Tu dois beaucoup souffrir. Je m'adressais à Chidori sur un ton familier. 鉛のように青白く、そしてやつれた顔は彼女の今までの苦労を物語っている。無造作に巻き上げた髪が崩れかかっていることも気づかないらしい。汚れた木綿の着物からは気持ちの悪い匂いが鼻をつく。ええ、ありがとう。少しはいいようですけれど、でもどこからどこまでも悪いから当分出られないと諦めているの。もうこの病院で死ぬんだと覚悟してね。Son visage, pâle et décharné, témoignait des épreuves qu'elle avait dû endurer. Elle ne semblait même pas remarquer que ses cheveux, qu'elle avait relevés négligemment en un chignon, tombaient en désordre. Une odeur nauséabonde s'échappait de son kimono en coton souillé. Ah, merci. J'ai l'impression d'aller un peu mieux, mais je souffre de tant de maux que j'ai abandonné tout espoir de pouvoir sortir bientôt. Je finirai sans doute mes jours ici.チドリさんはそう言ったかと思うと深いため息をついた。そんなことなんかすぐ治りますよ。そう慰めるつもりで言ったけれど慰めにはならなかった。気づけばチドリさんの痩せた頬に涙が流れていた。En terminant ces mots, Chidori poussa un long soupir. Ne dis pas ça, tu vas voir, tu vas guérir, on n'a rien de temps. J'espérais pouvoir la réconforter.Mais rien ne pouvait la consoler. Des larmes coulaient sur les joues maigres de Chidori. Harukoma-san, あんたがここを出るのはもうすぐでしょうから、出たらお願いがあるんですけれど。Chidori-san は涙を隠すようにうつむいた。何？何でも私にできることなら。私は身を乗り出して尋ねた。このかわいそうな人のために働く喜びを感じながら。Harukoma-san, tu vas bientôt pouvoir sortir d'ici. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi une fois que tu seras dehors? Chidori baissa la tête pour cacher ses larmes. Dis-moi, je ferai tout ce que je peux pour t'aider, lui ai-je répondu en me penchant vers elle. J'étais heureuse de pouvoir rendre service à ma pauvre amie. Yoshiwara no Umekichiro-san no Miyako-san to Umeryu-san ni ne, denwa de mo o rei o itte itadakitai no.大変お世話になりましたってね。死んでも忘れませんって。彼女はそこまで言って泣き伏してしまった。ねえ、千鳥さん、泣かないで。私、きっと伝えてあげるからね。こみ上げてくる涙を抑えながら、私は彼女の痩せた肩に手をかけた。J'aimerais que tu remercies pour moi Miyako-san et Umeryu-san de la maison Kuchiro à Yoshiwara. Si tu pouvais leur parler au téléphone, ça suffirait.
Elles m'ont tant aidée. Je jure sur ma vie que je ne les oublierai jamais. Incapable de continuer, Chidori s'effondra en larmes. Chidori-san, ne pleure pas. Je leur dirai, ne t'inquiète pas. Je posai ma main sur son épaule maigre, retenant les larmes qui me montaient aux yeux. 彼女は茨城県の漁村の貧しい家に生まれた。こんな田舎にくすぶっていたっていいこともない。こんな貧乏では夢のもらい手もない。いっそ東京へ出て女中として働こうと思って上京したんだった。それから彼女は日本橋のある商家の女中となって働いて、毎月少しの金を親元へ送っていた。ちょうど上京して1年半ばかり経った時、田舎の親から手紙が届いた。彼女の弟が大病にかかって、医者からは水戸で入院して手術をしなければいけないということだ。Chidori était née dans une famille pauvre d'un village de pêcheurs dans la préfecture du Balaki. Il n'y a aucun avenir à la campagne. Personne ne veut d'une épouse dans une telle misère. Elle avait donc décidé d'aller à Tokyo pour travailler comme domestique. Elle avait trouvé un travail de femme de chambre dans une famille de commerçants à Nihonbashi, et envoyait chaque mois un peu d'argent à ses parents. Environ un an et demi après son arrivée à Tokyo, elle reçut une lettre de ses parents. Son frère cadet était très malade, et le médecin avait dit qu'il devait être hospitalisé et opéré à Mito. 彼女はいろいろ考えた末、その事情を商家の主人に話して、給料の前借りを頼んだ。その商店は誰一人知らぬ人がいないほど有名で金持ちだった。けれど、彼女の頼みをすげなく断った。どうして貸してくれないのだろう。彼女は不思議に思った。彼女の姉は田舎の地主に1年の年期で20円を借りて下女になったことがあった。東京ではそうしたことをしないのかしら。こんなに大きな家に住んでいて、幾十人も人を使っている金持ちなの。Après avoir longuement réfléchi, elle fit part de sa situation à son patron et demanda une avance sur son salaire. La boutique était renommée et prospère, pourtant, le propriétaire refusa froidement la demande de Chidori. Pourquoi ne voulait-il pas lui prêter l'argent? Elle ne comprenait pas. La sœur aînée de Chidori avait autrefois emprunté 20 yens à un propriétaire terrien de la campagne et en échange avait travaillé chez lui comme servante pendant un an.Cela ne se faisait pas à Tokyo. La famille pour laquelle Chidori travaillait était pourtant aisée. Elle vivait dans une grande maison et employait des dizaines de personnes. Soya Omae-san, Tokyo では そんな前貸しするような家なんかありませんよ。普通の家では。けれど、物は相談だがね、良いところがあるんですよ。田舎の宿屋なんですかね。そこへ行けば50や100は借りられますか。Qu'est-ce que tu imagines?À Tokyo, personne n'accepte d'avancer de l'argent comme ça. En tout cas, pas dans une maison ordinaire. Mais on peut trouver un moyen. Je connais une auberge à la campagne. Si tu vas les voir, tu pourras leur emprunter jusqu'à 50 ou 100 yens. 彼女はうっかりその口車に乗って埼玉県熊谷のある料理店に借婦として住み込むことになった。何しろ弟は半年も入院しましたしね。その支払いだって大変でね。一年ばかりのうちに300円になっちゃった。なかなか払えるもんじゃないんですよ。そのうちに私の借金を払って入居してくれるって人がいたんですけれどね。それが嘘で、騙されて随分取られたの。借金はどんどん増えるし、いっそのことという気になっちゃったんだけど、今考えりゃ私もバカだったんだ。Chidori s'est laissé naïvement convaincre par ses paroles prometteuses et s'est fait embaucher dans une taverne de Kumagaya à Saitama. Je n'avais pas le choix. Mon frère avait été hospitalisé pendant 6 mois. Il fallait bien trouver un moyen de payer. En à peine un an, la facture avait atteint 300 yens. Ce n'est pas une somme qu'on trouve comme ça. En fin de compte, un client m'a dit qu'il paierait mes dettes et s'occuperait de moi. C'était des mensonges. Il m'a berné.Il m'a escroqué beaucoup d'argent. Mes dettes ne cessaient d'augmenter et j'avais tellement voulu croire à ses promesses. Je réalise maintenant combien j'étais sotte. 吐き出すようにそう言った。それから千鳥さんは須崎の遊郭へ移って将棋になったという。いい塩梅に売れてね。
浅ましい家業だとは言うものの、どうせこうなったのだ、うんと稼いで一日も早く足を洗おうと思ったわ。でもそのうちに病気になって須崎病院に入院したの。3週間もかかっていざ退院に行った時に先生のやつが検診で子宮に傷をつけちゃったの。それからまた2ヶ月かかって、ところがその時よ、あの大震災。Tidoli parlait comme si les mots lui écorchaient la bouche. Tidoli s'installa ensuite dans le yukaku de Suzaki, où elle travailla comme shiobi. J'avais beaucoup de clients. Je savais bien que ce n'était pas une profession respectable, mais puisque de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement, je voulais gagner beaucoup d'argent pour sortir de là le plus vite possible. Mais je suis tombée malade et j'ai été envoyée à l'hôpital de Suzaki. Il m'a fallu 3 semaines pour retrouver la santé. Et alors que j'étais sur le point de pouvoir sortir de l'hôpital, cet imbécile de médecin m'a abîmé le vagin en m'examinant. Il m'a fallu encore 2 mois pour m'en mettre. Et après, il y a eu un grand tremblement de terre. Moi, Suzaki et Yoshiwara, nous avons eu la chance de 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 J'avais entendu dire que les shogi de Suzaki et Yoshiwara avaient beaucoup souffert de séisme. Sans m'en rendre compte, je m'approchais davantage de Chidori pour l'aider. Cela s'était passé avant mon arrivée à Yoshiwara. Nanto ka soto ni dete, nigeba o sagashita keredo, mou sukkari hi ga mawatchatte ne. Doko ni mo ikenaku natte, atsukute atsukute ne, uchuu datta wa. Shikata ga nai kara, Arakawa e tobikonda no.ずっと前に死にたくて飛び込もうとしたときはできなかったのに、今度は助かろうって飛び込んだなんだからね。それでも私は浜育ちで泳げたからよかったの。そこへちょうど板切れが流れてきたもんだから、それに捕まって、そりゃ一生懸命で助けてくれって怒鳴ってたの。もうダメだって思ってよ。ところが、大丈夫だ、大丈夫だ、今助けてやるからって声が聞こえて、見ると大工みたいな服を着た職人が大きな材木を持って泳いできて、これにすがってろって言うのよ。火の粉が飛んできたら水に頭を突っ込めって言って、その人も一緒にいてくれたの、私のそばに。心配ないよ、すぐ消えるから落ち着いて。Je me suis agrippée, j'ai crié au secours. J'ai vraiment cru que c'était la fin. C'est alors que j'ai entendu une voix qui disaitça va aller, je vais t'aider. Moi, en costume de charpentier, nageait vers moi avec un gros morceau de bois et m'a dit de m'y accrocher. Quand des flamèches se sont mises à voler, il m'a dit de plonger ma tête dans l'eau et rester avec moi, à mes côtés. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que le feu s'éteindrait bientôt et qu'il fallait rester calme. Ça m'a un peu rassurée, mais j'étais terrifiée. Quand le feu a commencé à baisser, l'homme m'a tirée sur le rivage.J'étais à peine consciente. Il m'a dit de tenir bon et m'a portée sur son dos en direction de l'est de Suzaki, vers la préfecture de Chiba. Je suis restée là-bas chez un fermier pendant 3 jours, puis je suis retournée chez mes parents. その職人の人はどうしたの？親切な人もいるもんでね。その人はそこに一晩泊まって行ってしまったの。私の命の恩人だから住まいを教えてくださいって。そのちょっとごめんなさいねと言って、病院の屋上で工事をしていた職人のところへ火をもらいに行った。男たちは晴れ晴れした声で歌いながら働いていた。私はまた涙ぐましい気持ちになった。千鳥さんはニコニコしながら帰ってきた。あせも千鳥エスタンプ、ピソキンシガレッツ、アマジュフィメツンキモロ。エセクスキジャーナスタンEt il allait demander du feu aux ouvriers qui faisaient des travaux de construction sur la terrasse de l'hôpital. Les hommes travaillaient en chantant d'une voix pleine d'entrain. Les larmes me sont à nouveau montées aux yeux. Chidori revint le sourire aux lèvres. Né, Harukoma-san, l'eau から は この頃ちっとも小遣いを送ってくれないものだから、新しいタバコも買いやしないわ。お人よしそうな彼女はこれほどまでにされても、恨みはないらしい。名残惜しそうにスイカスを吸って、吸って
Alors, comme ça, le patron ne m'envoie aucun argent en poche. Je ne peux même pas m'acheter une nouvelle cigarette. Sibony était de bonne nature. Elle ne s'offusquait même pas d'être traitée aussi mal. Elle fuma le reste de sa cigarette avec regret, puis reprit la parole. そして大震災の後、ようやくの思いで故郷へ帰った千鳥さんだったけれど、将棋という楽園があるので、長くはとどまることができなかった。そうこうしているうちに、焼け野原だった須崎にもバラックが立ち並び、老子も商売を再開することにしたという。それで老子から300円を医療費として受け取って、千鳥さんは再び将棋になった。それから間もなくして、千住遊郭に700円で住み替えになった。気の遠くなるような長い苦労の物語だ。Après le tremblement de terre, Chidori était enfin parvenu à retourner dans son village natal. Mais stigmatisée par sa profession de chaudier, elle n'a pas pu y rester longtemps. Entre-temps, des baraquements avaient été construits dans la zone incendiée de Suzaki. Et le propriétaire de la maison close avait décidé de reprendre le commerce. Chidori reçut 300 yens du propriétaire pour payer les frais médicaux de son frère et reprit son travail de chaudier. Peu de temps après, elle s'installa dans le lieu capo de Senju en échange de 700 yens. Sa vie était une longue suite de peines et de souffrances. 新しい老子もね、またひどいんだから。私が働き始めて早々に、なんだ人をバカにしては、700円にこんな女をよこしやがってってとなるんですからね。人前も何もあったもんじゃないの。ええ、本当に私たちは品物ですわね。彼女の顔には怒りが現れた。Le nouveau patron était odieux lui aussi. Dès que j'ai commencé à travailler, il n'a pas arrêté de crier qu'on l'avait pris pour un idiot, qu'il avait payé 700 yens pour qu'on lui envoie une incapable, que je ne savais même pas comment tenir devant les clients. On nous traite vraiment comme de la marchandise. La colère apparut sur son visage. ひどいね。なんてバカにしてるんでしょう。それでお店はどんなだったの？それがね、春駒さん。夏なんかご飯が古くなって黄色くドロドロになったようなものばかり食べさせるのよ。しゃもじで茶碗に装うことなんかできやしない。おかずなんかもありゃしないしね。それもひどいけど、お客を取らないときなんかは寝かせないのよ。思いっきり怒鳴られて、どこもそうでしょうけど、着物を高く売りつけるの。そして将棋の稼ぎもごまかしてんのよ。私は字が読めないから、いちいち確かめることもできなくて困るのよ。前にね、警察に捕まった泥棒がね、捕まる前にうちの牢で私を呼んで遊んだって言ったらしくて、刑事が調べに来たの。そうしたら稼ぎが書かれていないことが分かったの。こんな始末だもん。いつ何をしてるか分かりゃしないわ。Quel homme abject, pour qui se prend-il? Et la vie là-bas, c'était comment?Alukomasan, l'été, on ne nous donnait que du riz rassis et jaune à manger. On ne pouvait même pas le mettre dans le bol avec une cuillère à riz tellement il était visqueux. Et aucun plat à côté, c'était épouvantable. Et en plus, quand nous n'avions pas de clients, on ne nous laissait même pas dormir. On nous harcelait sans cesse. Le patron nous faisait payer nos kimonos à un prix très élevé, comme partout d'ailleurs. Et il mentait aux filles sur leurs gains.Je ne sais pas lire et je ne suis pas capable de tout vérifier. Une fois, un voleur a été capturé par la police. Il leur avait avoué qu'avant de se faire prendre, il était venu chez nous et avait passé du temps avec moi. La police est venue enquêter et a découvert qu'il n'y avait aucune trace de l'argent que j'avais gagné. C'est comme ça que les choses se passaient. Impossible de savoir ce que le patron trafiquait derrière notre dos. Quelqu'un qui a lu le livre, ne peut pas le demander.私が聞くと、千鳥さんは悔しそうに言った。寮の友達に頼んで帳簿を調べてもらおうとしたんだけど、見せないのよ。そして、そんな生意気な女は住み替えさせるってことなの。住み替えも考えたんですけどね、だんだん借金は増えるばかりだし、今はこんな体だし、それにどこに行ったって同じですしね。こんな仕事を始めて、足掛け8年になるけれど、借金は1000円まで増えた。だから、3、40年もやったら、もっと借金が増えるから、そしたら、老子のやつにうんと損をさせてやれると思って。
Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui sait lire de jeter un coup d'œil si Dolly répondit d'un air frustré. J'ai bien essayé de demander à une de mes amies de vérifier les livres de compte, mais le patron refuse de les montrer. Et puis il a avoué qu'il me ferait changer de maison si je continuais à être aussi effrontée. J'ai pensé à changer de maison, mais mes dettes ne font que s'alourdir. Et puis je suis dans un tel état maintenant. De toute façon, où que j'aille, ce sera pareil. Ça fait 8 ans maintenant que je fais ce travail. J'ai accumulé millions de dettes. Je me dis que si je tiens bon pendant 30 ou 40 ans, mes dettes continueront d'augmenter et au bout du compte, je réussirai à faire perdre beaucoup d'argent au patron. 寂しく笑う千鳥さんを見ていると胸に怒りがこみ上げてくる。千鳥さんはそんな千住での生活でまた体を悪くして、去年の2月からもう1年半この病院で過ごしている。ずっと病院にいる千鳥さんを哀れと思ってか、医者は大晦日から数日だけ千鳥さんに退院を許した。でも体が良くなったわけでもなく、ロードは病気をごまかすように氷袋を腹に抱えて客を取ったりもした。結局は検査で引っかかり、病院に舞い戻ってきた。En voyant Chidori sourire tristement, mon cœur se remplit de colère. Chidori s'est ruinée la santé à cause des conditions de vie à Saint-Dieu. Elle a été hospitalisée en février dernier et vit dans cet hôpital depuis maintenant 1 an et demi. Elle avait été autorisée à sortir pour quelques jours au Nouvel An, sans doute par pitié. Mais sa santé ne s'était pas pour autant améliorée. Et elle a même reçu des clients avec un sac de glace sur le ventre pour dissimuler sa maladie. En fin de compte, la visite médicale avait révélé qu'elle était malade et elle a été renvoyée à l'hôpital. さっきの梅吉郎の方へのお礼っていうのは何の話？あ、そうだったわね。私、お願いも忘れてすっかり話しちゃって、またまた話し始めた。Tu as vraiment traversé beaucoup d'épreuves, mais il n'arrive pas que des mauvaises choses dans la vie. Il ne faut pas désespérer. À propos, pourquoi veux-tu que je remercie tes amis de la maison de Umekichiro? Ah oui, je me suis perdue dans mes souvenirs. J'ai complètement oublié de t'expliquer.千鳥さんは入院中に閣下になってひどく苦しんでいたそうだが、医者は少しも見てくれなかったそうだ。足は太くなるし、胸の動機が高く、だんだん苦しさが増してきた。彼女はもうこれで命を取られるんだと思っていた。その時、吉原の梅吉郎の宮子さんと梅龍さんが助けてくれたのだそうだ。あずきの煮たのやそば粉を毎日毎日こっそり差し入れて、彼女に食べさせてくれたそうだ。小遣いも少しずつ添えて、2ヶ月ばかりも世話をしてくれた。Pendant son séjour à l'hôpital, Chidori avait une crise de beriberi, mais le médecin n'avait même pas daigné l'examiner. Ses jambes enflaient, son cœur battait vite et elle souffrait de plus en plus. Elle craignait que ses jours ne soient en danger. Elle a été sauvée par Miyako.Et Umeru de la maison Mekichiro à Yoshiwara. Ces dernières m'ont nourri de haricots azuki bouillis et de farine de sarrasin qu'elles faisaient venir secrètement tous les jours. Elles lui ont également donné un peu d'argent et ont pris soin de Chidori pendant près de 2 mois. そのおかげでこんなに良くなったの。私一生忘れないの。みやこさんと梅龍さんね。死んでも忘れないわ。私はもう病院から出られないと諦めてるの。出たってあんなひどい目に合わされるくらいならよっぽど出ない方がいいわ。彼女がそう言ったとき、伏せた目から涙がポロリと落ちた。私はそのいじらしい姿をまともに見ることができなかった。C'est grâce à elle que j'ai pu guérir. Je n'oublierai jamais Miyako さん et Umeru さん. Je ne pourrai jamais les oublier, jamais.J'ai abandonné tout espoir de quitter un jour l'hôpital. De toute façon, je préfère encore rester ici plutôt que de retourner travailler dans des conditions pareilles. À ces mots, des larmes coulèrent de ses paupières baissées. Bouleversée, je détournai les yeux. Chidori-san, c'est le visage. C'est le visage de mon visage. Je suis en train de me protéger. Je suis en train de me protéger.
年も若いから客もつくけれど、いつかはこの千鳥さんの姿と少しも変わらない姿になるだろう。将棋が出世していくところ、それはこの千鳥さんの姿そのものだ。私も。En regardant Chidori, c'était mon avenir que je voyais. Je ne suis tombée dans ce monde de la prostitution que depuis peu de temps, et ma santé est encore solide. Ma jeunesse attire encore les clients. Mais un jour, je serai exactement comme Chidori. C'est ce qui attend toutes les shogi à la fin de leur carrière. C'est ce qui m'attend, moi aussi.罪悪の本家だと言わんばかり、吉原の数百の技能の明かりがともり、まるで昼間のような明るさだった。ねえ、千鳥さん、寒くなったから部屋へ入りましょうよ。あなただけじゃなくて、みんな誰しもここにいる人たちは不運なんですからね。Je frissonnais. Le soleil s'était couché, sans que nous nous en soyons aperçus. Et la terrasse était plongée dans l'obscurité.Les centaines de maisons courtes de Yoshiwara avaient allumé leur lumière et brillé sans vergogne de mille feux, comme pour clamer qu'ils étaient le havre de tous les vices. Chidori, rentrons, il commence à faire froid. Personne ici n'a eu de chance dans la vie. Tu n'es pas la seule. Je n'ai pas la seule. 病院の歌だ。彼女たちは毎日、日に幾度もこの歌を合唱する。病院の患者でこの歌を知らない者はないくらいだ。泣いては歌い、歌っては泣く。それは彼女らの日課なのだ。私たちは真っ暗の屋上から歌声の響く女たちに続く階段をゆっくりと下った。Malgré tous mes efforts, je ne trouvais rien mieux à lui dire.On entendit alors une très mélopée, intense et puissante depuis l'étage inférieur. C'était la chanson de l'hôpital. Les filles la chantaient encore tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Parmi les patientes de l'hôpital, aucune n'ignorait cette chanson. Pleurer et chanter, chanter et pleurer. C'est ainsi qu'elles passaient leur journée. Abandonnant la terrasse plongée dans les ténèbres,Nous descendîmes lentement les marches, enveloppées par le chant des femmes. Merci beaucoup pour votre attention. La partie lecture est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Sur le 8 pages, いろいろ差し入れていただいたというところがありまして、でそこでこっそりっていうところが、こっそり毎日差し入れって書いてある。かそれはなんでこっそりって隠れて差し入れをもしわらかしないといけないのか、もしあれだったら、この病院がその差し入れを禁じていたのか、それともそのお世話になっている吉原じゃなくて、そこの、人が拒んでいたのか。La question au sujet de la page 8, que Miyako et Umeju de la maison de Tsuzaki avaient nourri un coma de Haruko Azukibu et de Paris de Sarada, qu'elle peut devenir secrète.お客さんからの差し入れでお菓子を持ってきて配ったりとか、そういう場面がいくつか描かれていて、今回には説明紹介していないんですが、そういう場面もあるので、差し入れは自体は禁じられていなかったんですが、
ちょっとこの状況がこの小説この場面しか書かれていないのでちょっとわからないですね。ただ他の牢のこの梅吉牢というのは違う牢なのでその牢ごとの関係がもしかしたらあったのかもしれないですが、ちょっとなんでここにこっそり書かれるのかちょっとわからないというのは正直なところです。C'est une question assez, assez difficile de répondre exactement à la question. À l'hôpital, ce n'était pas interdit de recevoir la nourriture de l'extérieur. Parfois, il y avait des clients qui apportaient des cadeaux et il y avait des patients qui partageaient des friandises qu'on leur apportait à l'extérieur. Donc, ce n'était pas interdit. Dans cet extrait, on ne peut pas être sûr de la raison pour laquelle il fallait que ça se fasse secrètement, mais on peut-être penser que parce que ce n'était pas des patients qui travaillent dans une autre maison close, dans une maison différente. C'est peut-être de là que vient qu'est la raison. すでに行われるような内容はもうすでに映画化されてるんですね。ご存知だと思うんですけど、ロシア映画というか、だからまだその映画をそのパフォーマンスを見てもらう。見てたらでまたこれが終わりではなくてこれがプレミアですのでだからまたこうこうやって朗読したりとか他の今日一部だけだったからとかの部分もねまたこういう形で、朗読されたりあるいは、本当は映画の話もあったんですけれども。舞台化してはどうかというか演劇にしてはどうかとそういう話もちょっとあったような気がするんですけれども、まあ、今日本当に関西の皆さんと来ていただいた皆さんと闇野さん、波野さん、アニさんありがとうございます。